Frère, j'ai pas bien compris pourquoi Dieu doit s'incarner en son fils. C'est très simple, d'après saint Thomas d'Aquin, les relations subsistantes dans l'unique substance divine, qui, je vous le rappelle, l'esse ipse subsistens. Bon, bref, les relations subsistantes, donc, qui engendrent le Verbe hein, du Père, d'où inspiré le Saint-Esprit, je vous le rappelle, hein, dans la Péricorèse trinitaire. De sorte que l'amour qui les unit hein, se communique de soi à la créature. Dans l'hypostase, hein, où les deux natures sont unies, mais sans mélange ni confusion, d'après le Concile de Chalcédoine. C'est très clair. Seigneur, dire que vous êtes vraiment là, présent, devant mes yeux. Oui, Marie-Madeleine a vraiment choisi la meilleure part. Être avec vous pour toujours. Tiens, c'est la deuxième fois qu'elle se lève pour aller aux toilettes. Seigneur, pourquoi vous êtes-vous incarné dans le Fils? Je crois qu'on va rester sur la première. Il n'y arrivera pas là. Oui.